Le Shabbat qui précède Pessah est appelé Shabbat Agadol, le grand Shabbat. En réalité, la traduction le grand Shabbat n'est pas tout à fait juste. Parce que Shabbat, en hébreu, c'est féminin. On dit bien ki ot hi beni uvenechem, que le Shabbat est, elle, un signe entre moi, l'Éternel, et vous. C'est donc féminin. Si on voulait dire le grand Shabbat, on aurait dit Shabbat Hagedola, la grande Shabbat. Dire Shabbat Hagadol, c'est plutôt le Shabbat du grand. Or, de quel grand s'agit-il? Bar la Tourim, Rabbi Yaakov ben Asher dit, il s'agit du Shabbat du grand miracle. Ce jour-là, ce Shabbat qui a précédé Pessah a eu lieu un très grand miracle. C'était cette année de la sortie d'Égypte, le 10 Nissan. Or, le 10 Nissan, les enfants d'Israël ont reçu l'injonction d'acquérir chacun pour sa famille un agneau pour l'offrir 4 jours plus tard, le 14 Nissan, en sacrifice, en agneau pascal. L'agneau, c'était la divinité des Égyptiens. Pourquoi? Parce que le mois de Nissan, c'est le mois du printemps. La constellation qui règne durant ce mois est la constellation du Bélier. Or, les Égyptiens adoraient les différentes constellations, ils les vénéraient. Et la constellation du Bélier, pour eux, c'était la constellation qui permettait le renouveau de la nature. Et donc, pour eux, ça représentait la force. Pour nous, c'est l'idolâtrie. Nous savons très bien que toutes les constellations, tous les signes du zodiaque, ne sont qu'en réalité l'expression de la force d'Akadosh Baruch Hu, de l'Éternel qui les a créés et qui leur donne vie à tout instant. Et donc, acheter un agneau pour le sacrifier, c'était montrer la vanité de l'idolâtrie des Égyptiens. Or, lorsque les Égyptiens ont vu que les enfants d'Israël ont acquis un agneau, ça aurait dû être pour eux un énorme blasphème qu'ils auraient dû empêcher. Et ils auraient dû donc nous empêcher de l'acquérir pour l'offrir en sacrifice pascal. Or, ils ne l'ont pas fait. Il ne s'est rien passé ce jour-là. Ils ont vu les enfants d'Israël acquérir ces agneaux et les ont laissés faire. Ça, c'est le grand miracle qui a eu lieu ce jour-là et que nous commémorons en appelant ce Shabbat, Shabbat Agadol. Cependant, une question se pose. À la sortie d'Égypte, ont eu lieu beaucoup de miracles. Des miracles totalement surnaturel. Regardons, prenons simplement pour exemple les 10 plaies. L'eau qui se transforme en sang, l'invasion de grenouilles qui proviennent de nulle part, le sable qui se transforme en poux, etc., etc. Ce sont des phénomènes totalement surnaturels qui vont à l'encontre de toutes les règles de la nature. La sortie d'Égypte elle-même, suite à la mort des premiers-nés, de tous les premiers-nés égyptiens, c'est un miracle extraordinaire. L'ouverture de la mer Rouge, c'est quelque chose de totalement extraordinaire, qui va à l'encontre de toutes les règles de la nature. À côté de tous ces miracles, le miracle du 10 Nissan, où les Égyptiens nous ont laissé prendre un agneau, c'est vrai, il y a quelque chose de totalement étonnant. Mais on ne peut pas considérer que ça contredit totalement toutes les lois de la nature. On ne peut pas considérer que ce miracle soit tellement grand, eu égard à tous les autres miracles qui ont eu lieu lors de la sortie d'Égypte. Et donc pourquoi on se réfère à ce miracle en le considérant comme un très grand miracle qui donne le nom de ce Shabbat qui précède la fête de Pessah? En réalité,
Le Ramban Nahmanide nous donne l'explication suivante. Il nous dit, à travers tous les très grands miracles reconnus par tous, qui sont à l'opposé de toutes les lois de la nature, qui ont montré la mainmise du Saint béni soit-il sur toutes les lois du monde, et comment il peut changer, transformer totalement toutes les lois de la nature qu'il a lui-même créées, eh bien ces miracles-là, ils sont là pour nous montrer que dans notre vie de tous les jours, où nous ne rencontrons pas de tels miracles, malgré tout, en réalité, toute notre vie n'est constituée que de miracles. C'est ce que nous disons dans la Tefila, dans le Shmoneh Esrei, dans la prière des 18 bénédictions, dans la bénédiction du Modim. Anisecha shebechol yom imanu vaniflotecha vetovotecha shebechol et erev avoker vetzahoraim. Pour les miracles que tous les jours tu fais pour nous, pour les prodiges de tous les jours, matin, midi et soir, toute notre vie n'est composée que de miracles. Celui qui regarde le monde qui l'entoure, qui voit tout ce qui se passe, qui voit comment tout va dans le but que le Saint béni soit-il a créé, et comment toute sa vie en réalité, le Saint béni soit-il le protège, il pourra comprendre qu'en réalité, à travers tous ces miracles extraordinaires que nous avons vécu lors de la sortie d'Égypte, nous pouvons comprendre que toute notre vie n'est qu'une succession de miracles, même si ils ne sont pas aussi phénoménaux que les miracles qui ont eu lieu lors de la sortie d'Égypte, ils ne sont pas moins des miracles extraordinaires. Et c'est peut-être ça qu'on a voulu nous montrer. Shabbat HaGadol, le Shabbat vient nous montrer la grandeur de la force du Saint béni soit-il, qui ne se révèle pas que par des miracles extraordinaires qui changent complètement, qui transforment la nature. Mais les miracles de chaque jour, quand le Saint béni soit-il protège le peuple d'Israël, il nous montre combien le Saint béni soit-il est là pour protéger chacun à travers des actions extraordinaires qu'il fait pour nous. Et ainsi, on peut répondre à une autre question. En effet, lorsque nous commémorons un événement dans le calendrier juif, on le commémore toujours à la date où il a eu lieu. Par exemple, la sortie d'Égypte a eu lieu le 15 Nissan, donc nous la commémorons le premier jour de Pessah, qui a lieu le 15 Nissan. La création du monde a eu lieu le premier Tishrei, nous la commémorons à Rosh Hashanah, le premier Tishrei de chaque année. Le pardon divin aux enfants d'Israël, après la faute du veau d'or, a eu lieu le 10 Tishrei. Nous le commémorons chaque année, au jour du Kippour, au jour du grand pardon, le 10 Tishrei, etc., etc. Il en va de même pour la fête de Hanouka, la fête de Pourim, etc. La seule fois où nous commémorons un événement de l'histoire juive, non pas en fonction de la date dans le calendrier, mais en fonction du jour de la semaine, c'est bien ce miracle du 10 Nissan, qui effectivement, l'année où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, c'était un Shabbat. Mais en règle générale, c'est pas forcément un Shabbat. Cette année non plus, c'est pas forcément un Shabbat. Cette année, Shabbat sera le 12 Nissan. Et cependant, nous le commémorons le jour du Shabbat. Pourquoi commémorer cet événement-là, le Shabbat qui précède, et non pas le 10 Nissan, qui est la date exacte où ce miracle a eu lieu? Beaucoup de réponses ont été données. Le Baït Hadash donne la réponse suivante. Il dit, le 10 Nissan a eu lieu un autre très grand miracle. 40 ans plus tard, lorsque les enfants d'Israël sont entrés en terre d'Israël, ils ont traversé le Jourdain, et le Jourdain s'est ouvert devant eux. Exactement comme la mer Rouge s'est ouverte, le Jourdain s'est arrêté pour les laisser passer sur la terre ferme.
si nous avions commémoré le miracle du 10 Nissan, où on a acquis l'agneau, au jour du 10 Nissan, les gens auraient pu penser qu'il s'agit de la commémoration de l'ouverture du Jourdain. Or, ce n'est pas ce miracle que nous voulons commémorer, mais le miracle qui a eu lieu l'année de la sortie d'Égypte, où nous avons acquis l'agneau. C'est pourquoi on ne le commémore pas le 10 Nissan, mais le jour de Shabbat, parce que cette année-là, ça a eu lieu Shabbat. Malgré tout, a priori, ça ne répond pas totalement à la question. Parce qu'on pourrait très bien commémorer ce jour-là les deux miracles. Le miracle est de l'acquisition de l'agneau devant tous les Égyptiens et le miracle de l'ouverture du Jourdain. En quoi ça dérange qu'il y ait eu un autre miracle ce jour-là? En réalité, peut-être on peut répondre à travers ce que nous avons dit. Il ne s'agit pas simplement de commémorer un miracle. Il s'agit de montrer que toute notre vie est faite de miracles. Que même des phénomènes qui nous semblent parfois anodins, en réalité, ce sont des miracles. Et c'est cela que nous venons commémorer ce jour-là. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas confondre ce miracle, qui était un miracle qui est certes moins phénoménal, mais qui montre que la mainmise du Saint béni soit-il se retrouve dans tous les actes anodins de notre vie, nous ne voulons pas le confondre avec un autre miracle qui lui était totalement surnaturel, qui lui était à l'encontre de toutes les règles de la nature, c'est-à-dire l'arrêt des eaux du Jourdain. Et c'est pourquoi nous le commémorons un Shabbat. Le Shabbat, c'est justement le jour où après que le Saint béni soit-il a créé le monde en six jours. Le septième jour, le verset dit, il s'est reposé. Qu'est-ce que ça veut dire que le Saint béni soit-il s'est reposé? Le Saint béni soit-il ne s'est pas fatigué pour se reposer. C'est simplement que la création du monde, quelque part, elle peut être ressentie comme une dissimulation du Saint béni soit-il derrière les règles de la nature. Nous ne voyons autour de nous que certaines règles de la nature que l'Éternel a créées. Et on a l'impression qu'il s'est dissimulé derrière elles, alors qu'en vérité, c'est lui qui leur donne l'existence et la vie. Le jour du Shabbat est là pour que nous réfléchissions à toutes ces règles, à tout ce qui s'est passé pendant la semaine, à tout ce qui se passe pendant toute notre vie, et de regarder, de réfléchir à tout cela, et de retrouver la main du Saint béni soit-il dans notre vie et dans toute la marche du monde. C'est ça véritablement le sens même du Shabbat. Et c'est pourquoi ce miracle du fait que les enfants d'Israël ont pris l'agneau devant les Égyptiens pour montrer la vanité de l'idolâtrie, il est là pour marquer le fait que le Saint béni soit-il est présent à tous les moments de notre vie. Et c'est cela le sens du Shabbat. Et en cela, c'est un Shabbat qui a montré l'importance du Gadol. Qui est le Gadol? Le Gadol, c'est le Saint béni soit-il, qui est le grand de ce monde, et qui est là et dont sa mainmise est évidente pour celui qui comprend la signification du jour du Shabbat, et qui comprend en quoi le Saint béni soit-il marque de son emprise l'ensemble de l'univers. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, une fête de Pessah magique, une fête de Pessah dans laquelle HaKadosh Baruch Hu envoie la délivrance à l'ensemble du peuple d'Israël, envoie la délivrance à nous tous, qui nous envoie la Geoula Shlema, une délivrance entière, par la venue de Mashiach Tzidkenu, Bimei Rabbi Amenu, Amen ve Amen.